de cape, enfin de collant, de... vous avez compris. Et je vais pas la déplier ici puisqu'elle est vraiment, vraiment très, 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 très longue. La tulle, elle est vraiment parfaite pour ma couleur de peau. J'ai pas encore tout découpé, mais je vous ferai un look avec sur Insta ou sur YouTube. Vous me direz ce que vous préférez. Mais je vous intègre une vidéo où je la porte, enfin où je l'essaye. Elle est trop belle! Niveau qualité, bah c'est, après c'est du synthétique, hein, faut pas vous attendre à du naturel, mais vraiment je trouve que la qualité du synthé vraiment top, la longueur vraiment top, elle se mousse bien, enfin c'est exactement le genre de wig que je voulais parce qu'en fait j'avais une queue de cheval de la même matière avec des waves un petit peu et je la mettais à ce niveau là pour que ça tombe et que ça me fasse bien les cheveux longs et j'avais besoin du coup d'une wig entièrement comme ça, donc je suis trop contente parce que je la trouve vraiment vraiment très très belle, j'ai trop trop hâte de faire des trop beaux looks avec et je suis sûre que vous allez kiffer parce que trop trop canon cette wig, je suis trop fan. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les détails de la tulle devant mais elle est hyper naturelle, regardez, même là au dessus au niveau du crâne et tout. J'adore. Donc la wig existe en plusieurs coloris, hein. Vous avez du rose, du blond, du vert, du noir. Moi je l'ai pris en noir et j'ai pris, alors j'ai pris la densité 130%, j'ai pris 13x6 lace front wig et je l'ai pris en 42 pouces et depuis la France du coup. Et là la prochaine livraison estimée c'est pour le 30 juin, donc vraiment elle arrive très rapidement en plus.